GCC, Saudi Arabia and all the area, they are actually around the crossroads of their history. The future of Middle East and the Saudi Arabia while implementing these actual changes in the economy is absolutely vibrant and will lead all the economy of the area to be like an emerging country for the next decades. New challenges, privatization, modernization and acceleration of the development. La nouvelle doctrine politique du Golfe ainsi que de l'Arabie Saoudite qui souhaite changer son modèle économique et financier des revenus des produits pétroliers vers des revenus non pétroliers représente une opportunité et même plusieurs opportunités absolument fantastiques pour tous les opérateurs économiques privés de la planète. Sachant que cette privatisation à l'extrême va transformer tous ces pays du Golfe en des pays qui seront classés dans les pays émergents, comme nous l'avons connu dans les années 80 avec, si je me souviens bien, c'était Taïwan, Hong Kong, Singapour, et ensuite les fameux BRICS, le Brésil, la Russie, etc. Donc on peut considérer que pour les 10 prochaines années, ces pays du Golfe, et notamment les leaders comme l'Arabie Saoudite et le Koweït, vont être des pays avec une croissance allant de 4, 5, voire à 7-8% par an. Mais dès que le système, les nouveaux systèmes qu'ils ont mis en place pour privatiser l'économie vont se mettre en route, courant 2016, courant 2017, on peut espérer que dès 2017, dès 2018, il y aura une croissance de 4, 5, voire 6, 7% par an. Et cela pendant 10, 15 ans. Privatisation à l'extrême, nécessité de saoudiser le pays et de rendre la production locale, les exportations locales et les ressources locales, et développer un système financier mondial qui est basé sur une politique financière qui existe dans tous les pays au monde. Okay, for a long time, the model of international companies was to keep their head office in Europe, in Berlin, in Paris, in London, in UK or in US, and to open a branch or a joint venture in the Middle East. But with the new privatization, where the government will provide a lot of incentive to the private sectors, definitely their new strategy will be to focus and to strengthen their local existence.